Le nouveau chef de canton Gama, Mahamat Gombo Dungus, qui succède à son père décédé il y a quelques jours, a été installé par le sous-préfet de Gama dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie d'intronisation a vu la présence des autorités administratives et chefs traditionnels. Kalianga Vudna. Selon la tradition Borno, en cas de décès d'un chef, son successeur doit être installé avant l'inhumation. C'est ainsi qu'après avis favorable des membres de la famille et des notables, Mahamat Gombo Dungus, aîné de la famille, âgé de 44 ans, était désigné par consensus nouveau chef de canton de Gama. Il succède à son père Gombo Dungus Abuna, décédé le vendredi dernier à N'Djamena des suites de maladie. C'est le sous-préfet de Gama, Mahamat Hassan Moïto, qui l'a installé dans ses nouvelles fonctions en présence des autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et des parents venus nombreux. En sa qualité de nouveau chef de canton de Gama, Mahamat Gombo Dungus aura pour mission de gérer le canton Gama en conformité avec les us et coutumes de sa communauté et au test de la République. Mahamat Gombo Dungus a à cette occasion remercié la famille et le notable pour la confiance placée en sa personne et rassure d'être à la hauteur de leurs attentes. Le sous-préfet de Gama, dans son mot d'installation, salue la mémoire du feu chef de canton Gombo Dungus, qui, selon lui, était un chef exemplaire, qui a consacré toute sa vie à servir sa communauté et l'État. Il invite le nouveau chef de canton de Gama, Mahamat Gombo Dungus, à suivre l'exemple de son père. Feu Gombo Dungus, faut-il le préciser, a régné pendant 48 ans à la tête du canton Gama. Il laisse après lui 4 veuves et 24 orphelins. Oui, suite à ce rituel d'intronisation, une importante délégation s'est rendue à Gama pour présenter ses condoléances au nouveau chef de canton de Gama, suite bien évidemment au décès de son père, Kalianga Vudna. C'est une délégation composée du ministre de l'Élevage, Dr Mahamat Anadef Youssouf, du président du Parlement de la CEMAC, Mahamat Ali Kosso, du président du groupe parlementaire MPS, Ali Kolotou Tchaimi, et du gouverneur de la région de Hadjar Lamis, Ali Wadoum Abdoulaye, qui a fait le déplacement de Gama pour compatir avec la famille du feu chef de canton de Gama Gombo Dungus. Les membres de cette délégation ont, au nom du chef de l'État Idriss Déby Itno, présenté leurs condoléances à la famille du disparu. Pour eux, Feu Gombo Dungus était un chef rassembleur et un homme engagé pour la cause de la paix et de la cohésion sociale dans sa communauté. Il rappelle que son décès n'est pas seulement une douleur pour les membres de la famille, mais pour l'ensemble des Tchadiens. Ils ont profité de l'occasion pour prodiguer des sages conseils au nouveau chef de canton de Gama, Mahamat Gombo Dungus, afin qu'il emboîte le pas à son défunt père. Au nom de la famille, colonel Yahya Mustapha Yahya a remercié ses autorités pour cette marque de compassion et ajoute que leur déplacement à Gama témoigne la reconnaissance du gouvernement envers le disparu. Le chef de canton de Ngalo dans la région du Mandoul a été également intronisé dans ses fonctions. A été également installé dans ses fonctions le 4 novembre dernier. C'est le sous-préfet de Bouna qui a présidé la cérémonie. Mahamat Oumar Moursal. C'est en vertu du décret 1673 du 23 septembre 2017 que le chef de canton Gimranga Rombay succède à son défunt grand-père Nambatina. Il a été installé par le sous-préfet de Bouna, Mbalmo Taukeyo. Le chef de canton Gimranga Rombay a manifesté sa disponibilité à travailler main dans la main avec la population afin de répondre à ses aspirations en vue du développement du canton Ngalo. Officiant la cérémonie, le sous-préfet du Bouna, après avoir lu l'acte de nomination du chef de canton, a invité la population à soutenir Gimranga Rombay dans ses tâches quotidiennes.